Salut, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On est sur Way of the Hunter. J'ai fait une vidéo sur la chaîne principale si vous ne l'avez pas vue, où j'explique un peu les fondamentaux, les bases du jeu, on va dire, ça sera plus simple. Je suis sur PlayStation 5, c'est un jeu de chasse. Et en haut à gauche, attendez, je vais appeler un de mes véhicules parce qu'il faut qu'on se déplace. Normalement, c'est bon. Voilà, il est venu là. Faut que j'aille au rendez-vous aux prairies où se trouve souvent Hollywood. C'est pas un chewing-gum, mais c'est un animal, un faon. Je crois qu'il faut que j'aille chasser. Il y a une histoire, c'est notre grand-père, si vous n'avez pas vu sur la chaîne principale. Notre grand-père a ce lieu. On revient récupérer ce qui appartenait à notre grand-père parce qu'il est en maison de retraite, il n'est pas en forme. Et on avait un animal à qui on a donné un nom. Donc, ouais, c'est un. Tu as un animal à qui on a donné un nom, c'est un peu. c'est un peu le niveau au-dessus de tuer des animaux, peut-être. Mais on va pas rentrer dans ce sujet, j'en ai parlé sur la chaîne principale encore une fois. J'en reparlerai, je ferai une autre vidéo dessus sur la chaîne principale, je pense. Encore une fois, j'aime les animaux, c'est un jeu zen. Donc j'espère que ça va, si ça vous plaît, on pourra faire des petites vidéos comme ça. Il faudra d'ailleurs que je fasse une autre vidéo sur le jeu de skate. Et encore une fois, si vous en voulez une autre, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime sur la vidéo, c'est un peu du chantage. Mais moi, ça me permet d'évaluer, savoir. Si vous voulez que je continue ou si vous en avez rien à faire, et ben ça sera en fonction de vous. J'ai vu que ça avait plu sur la chaîne principale, c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça que sur la chaîne secondaire, je me suis fait, on va faire une petite mission tranquille, on va avancer, piste d'animaux et cycle de vie. Mais ça, je l'ai déjà vu. Et comme ça, j'avance avec vous aujourd'hui, et sur la chaîne principale, quand j'aurai un animal bien plus violent, bien plus rude à affronter, et eh ben je le ferai pour la chaîne principale. Désolé chaîne secondaire, mais la chaîne principale avant tout. C'est le moment que je vous parle du sponsor de la chaîne, à savoir Instant Gaming. C'est le site si vous voulez acheter des jeux moins chers, et eh ben le lien est en description. Merci. Ok, il y a les points de passage des animaux, et ça nous expliquait comment ça fonctionnait. Il y a les points d'eau, il y a les points de où ils dorment, et il disait que le gibier n'allait pas d'un point d'eau à un autre point d'eau. C'est-à-dire qu'ils vont chez eux, un point d'eau, chez eux, manger. Mais ils font pas dodo, un autre dodo, manger, manger, quoi. Vous avez compris? Et ils expliquaient un peu le cycle de la vie. Et là, je suis sur les traces d'une voiture sauvage. Ouais, je m'excuse par avance. Aujourd'hui, je suis un peu mou. Ça arrive comme ça. Je suis fatigué, j'ai chaud, je suis un peu mou. Mais on va me dire peut-être en commentaire, bah, pourquoi tu fais une vidéo? Et c'est vrai, pourquoi je fais une vidéo? Parce que j'ai encore klaxonné. C'est plus... Arrête tout! C'est plus fort que moi de klaxonner quand il faut être discret. J'ai fait la même bêtise sur la chaîne principale. Non, parce que même si je suis fatigué, j'ai envie de jouer. Voilà. Il n'y a pas d'autre raison valable. J'ai pas d'autre excuse. Qu'est-ce qu'il faut? Ah oui, il faut que je repère les pistes de l'animal. Alors, il est... Ah bah tant mieux, j'ai mis le point rouge au mauvais endroit. Je vais juste aller là pour le valider. Ce qui est bien, c'est qu'on a le sens du vent en bas à droite qui va pile poil dans la direction du faon. Ouais, je crois que c'est un faon, comme je vous avais dit. Je suis toujours sur la même carte. Ma maison, voilà, c'est ça que j'aime aussi. Ma maison est là-bas. Et aussi, on peut régler dans les options sur la chaîne principale. Je vous avais dit, il fallait appuyer une fois et ça restait bloqué. Je l'ai désactivé. Maintenant, il faut que je reste appuyé et je préfère largement lorsque c'est comme ça. Et si c'est un fan, eh ben, j'ai ce fusil. Non, pas celui-là. Celui-là. J'ai ce fusil-là. Et d'ailleurs, il n'est pas chargé à fond. Normalement, je peux mettre deux cartouches. J'ai mis mes deux cartouches. Je vais monter là. Et on va repérer, peut-être j'ai besoin de repérer les pistes parce que j'imagine qu'en utilisant mes jumelles, ça va pas être marqué Hollywood dessus. J'imagine. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis juste fatigué. Mais ça arrive. Ouais, c'est surtout aussi en fonction, si vous êtes au courant, j'ai des névralgies. Et ça pompe beaucoup d'énergie. Voilà, c'est pour ça que par moment, je suis un peu mou. Mais généralement, là, ce qui se passe quand je suis fatigué, que je suis mou... C'est que je fais surtout beaucoup plus de blagues pas drôles. Bon, ça, c'est ma copine qui peut en témoigner. Quand je suis fatigué, j'ai tendance à dire tout ce qui me passe par la tête. Et il y a beaucoup de merde qui passe par ma tête. Et généralement, quand on est en forme, eh ben, on arrive à réguler, on arrive à se dire ça, il faut pas le dire. Mais moi, j'ai tendance à, dès que je suis fatigué, le moindre truc qui passe par ma tête, j'ai pas le temps de le filtrer. Ça use les souliers, ah, pas mal. J'ai pas le temps de le filtrer, c'est déjà sorti directement de ma bouche. Et même si vous avez regardé, enfin si vous êtes là depuis longtemps et vous aviez vu des longues routes, au bout d'un moment, je suis fatigué, je sors plein d'âneries et j'ai surtout un œil qui se ferme tout seul. Voilà. J'ai un œil qui, je crois que c'est le gauche, il se ferme. Et il s'ouvre plus.
Et des fois en soirée, c'est marrant quand il y a mes amis qui me parlent et ils pensent que je dors. S'ils sont de mon côté gauche et qu'ils me regardent, et ben ils peuvent penser que je dors parce que j'ai un œil fermé. Bon, maintenant, place à la chasse. On va arrêter de parler de ma vie. Et j'ai essayé le mode performance, donc c'est en 60 images secondes, mais le jeu, je trouve qu'il perd déjà de résolution, c'est normal, mais il perd un peu de son charme, même si je suis d'accord, j'adore la fluidité. Et aussi, si vous faites le changement, vous pouvez le faire le changement depuis le menu. Encore une fois, actuellement, quand je fais la vidéo, le jeu n'est pas encore sorti, mais si vous faites le switch, quand vous êtes déjà en jeu, l'eau disparaît. Vous n'avez plus d'eau et il faut revenir au menu pour revenir et pour que l'eau soit là. J'imagine que là je peux marcher et récupérer juste sa marque là. Attendez, je vais utiliser mes sens d'araignée. Ouais, ça sera des petites vidéos de 15 minutes, juste le temps d'une chasse. J'espère que ça fera. Parce que j'ai une caméra avec laquelle je me filme. Parce que normalement je me filmais avec mon téléphone que je reliais à l'ordinateur. Sauf que je regardais une vidéo sur YouTube en m'endormant hier. Il est tombé par terre. Mais vraiment un tout petit choc. Il marche plus. Mais c'est en même temps, vous me direz, j'utilisais la caméra aussi déjà depuis quelques semaines. Mais j'ai que 30 minutes. Donc on a 30 minutes ensemble. Voilà pourquoi les vidéos sont peut-être un peu plus courtes. Mais là-dessus, on a 30 minutes, c'est les objectifs pour faire de la chasse. Et certaines personnes, désolé pour mon chat, certaines personnes m'ont demandé de faire des épisodes plus longs. Par exemple, avec Marcus, quand on fait Stranded Deep. Des épisodes de 40 minutes, je suis d'accord, mais pardon pour mon chat, je suis d'accord, on enregistre plus d'une demi-heure, quoi qu'avec la caméra, pas trop, mais j'essaye de couper l'enregistrement. Sermulet, non, c'est pas le sermulet qu'on veut, mais malheureusement, après, moi j'ai l'analytique, même si je le regarde plus, comme je l'avais dit sur la chaîne principale dans la mise au point, mais quand ça dure 40 minutes, tout le monde ne peut pas regarder 40 minutes, et je sais plus ce que je veux dire. Ce qui fait que quand je sortirai un autre épisode après, c'est mieux que vous trouviez ça court et vous faites. Ouais, qu'est-ce qu'ils me disent? Attendez, je lis ça et je vous retrouve juste après. C'est un peu la suite du tuto parce que sur la chaîne principale, on est parti chasser des animaux, mais là, ils m'expliquent comment se déroule la traque. Et non, c'est le cermulet. Mais c'est pas. Ah si, c'est un cerf, c'est pas un faon, qu'est-ce que je raconte? C'est un cerf, mais qui a des bois qui sont trop courts, excusez-moi. Je me suis planté. Alors, analyse. Et là, non, ces traces de pattes vont dans cette direction-là. Voilà. Ok. En fait, je suis parti dans la mauvaise direction. Le vent va par là, donc c'est plutôt une bonne chose. Et je viens déjà de par là. Donc, je vais mettre debout. Et voilà, les épisodes de 40 minutes. Je sais, certaines personnes peuvent les regarder. Mais il vaut mieux que l'épisode soit court. Et que. Encore désolé pour mon chat. Vaut mieux que l'épisode soit court et que vous soyez. Content, vous fassiez ah ouais, c'était cool, vivement l'autre épisode, et une sensation de se dire ah ouais, c'était court, mais et que ça soit plusieurs personnes qui fassent c'était court, mais j'ai hâte de voir la suite plutôt qu'un épisode long et que tout le monde ne regarde pas. Voilà pourquoi, malheureusement, c'est un peu comme ça la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde sur la caméra, il nous reste 25 minutes pour trouver l'animal, c'est le défi actuellement. Tu veux venir? Non, ok, il s'est barré, c'est le défi. De chercher Hollywood en l'espace de 20 minutes. Va-t-on réussir ces défis? Ne va-t-on pas le réussir? Vous pouvez mettre les pronostics dans les commentaires si vous mettez. Comme ça sera un petit truc entre nous, je verrai. Si vous marquez oui, c'est que vous croyez en moi et trichez pas, ok? Regardez pas toute la vidéo pour voir si j'ai réussi à la voir. Et mettez oui si vous pensez que je peux le faire et mettez juste non si vous pensez que je suis un gros noob et que j'arriverai pas à avoir Hollywood. Voilà. Comme ça fait de l'interaction, c'est rigolo. Et je peux savoir, ça va ou quoi? En fait, c'est sa vidéo, quoi. Il fait sa vie mieux que moi. Pour traquer efficacement les traces statistiques des pistes d'animaux et des zones de passage d'animaux. Le premier paragraphe, c'est en rapport avec le jeu, et le dernier contextuel sur la chasse, à ce moment-là, ça sort du jeu, du cadre du jeu, et c'est plus sur la chasse globale. Ça peut être intéressant. Maintenant, je sais qu'il s'abreuve ici. Retourner au gîte. Quoi? Attends, ils veulent que. Quoi? Pister deux fois? Tirer une seule fois? Ok, bon, on rentre chez nous. Si j'avais su, j'aurais couru tout du long. J'aurais pas perdu mon temps à rester accroupi. Voilà, je suis à la maison, je suis au gîte. Et qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse au gîte? Vous aimez bien ma statue? Ouais. Moi aussi, j'aime bien.
Bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse à mon gîte, loup? J'ai autre chose à faire que de retourner au gîte, tu veux? Allez vous coucher et dormez jusqu'au lever du soleil, ou réveillez-vous. Au lever du soleil, ils m'ont dit. Nouvelle mission ajoutée. Rendez-vous sur le territoire d'Hollywood. Bon, on est reparti. Waouh, c'est vraiment le matin, là. Le soleil ne s'est pas encore levé. Et comment j'allume ma lampe? Je crois que c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Pas ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que je peux me retéper peut-être l'observatoire. Normalement, je peux me TP à l'observatoire. Non, je peux pas. Peut-être à la voiture. Ok, je peux me téléporter nulle part. Peut-être ici. Ok. Bon. On va reprendre une voiture. Je vais refaire le chemin. Et on se retrouvera là-bas. Je vais juste vous montrer comment on voit avec les phares du véhicule. Mais je vais faire toute la route. Je vais arriver. Ils vont faire. Non, le matin est passé. On revient plus tard. On va prendre la voiture tonnerre. Voilà, viens là, ma petite tonnerre. J'aime le tonnerre. Et là, on a les phares d'allumer. Pas mal, hein? Je sais pas si c'est un bug ou pas, ce buisson au milieu du chemin. Ah oui, là, j'ai la musique en bas à droite, mais je sais pas si je peux l'activer ou pas. Parce que c'est. On voit qu'elle est en pause. Il y a peut-être un moyen d'activer la musique. Bon, on se retrouve une fois que je serai arrivé tout là-bas. Oh, regardez! Trop stylé! Il y a les animaux qui sont en train de courir dans la plaine. Vous inquiétez pas, je vais pas les faucher. Ça rend bien! Ça va? Bonjour! Vous avez pas 10 balles? Ok. Bon, ils ont pas l'air très futés par contre. Voilà, il me résume un peu tout ce que j'avais déjà vu auparavant. C'était une piqûre de rappel, comme quoi il faut que je fasse attention au sens du vent, que je m'accroupisse, que j'avance au ralenti, voire étant allongé, utiliser mes sens. Et maintenant, c'est parti pour la chasse. Il est où le point? Il est à 500 mètres. C'est parti pour 500 mètres comme ça. 1 mètre de moins. 2 mètres de moins. 3 mètres de moins. 4 mètres de moins. 5 mètres de moins. 71 mètres de moins. C'est Hollywood. Quoi? Là-bas? Comment il sait que c'est lui? Même mes jumelles, 800 mètres? Comment il... C'est lui ou tu t'as vu un autre mec? Ah, un autre mec, et t'as vu un autre Hollywood? Ah, mais vous êtes sérieux? 800 mètres? Attendez, faut que je mette impérativement un point. Ah, mais il est là, vous pensez? Ouais, non, il est même encore plus loin. Là, je peux courir, on est d'accord, je vais pas être repéré. Hein. On l'a, et sur la caméra, il reste 15 minutes. Et on a 15 minutes pour avoir Hollywood. Le problème, c'est qu'il est en hauteur. Je vais faire un truc quand même. Attendez, il va falloir que je joue intelligemment. Non, il est même plus loin. Vous allez voir ce que je veux dire par intelligemment. Je vais devoir faire ça. Je pense qu'il est là. Quoi? Il me l'a mis où? Mais non, mais vous êtes bourré. Parce que je vais partir dans les bois. Étant donné le sens du vent, je vais partir là-bas. Et il faut que j'aie de la hauteur sur lui pour pouvoir mieux le viser. Sauf que j'ai un petit souci, c'est que j'arrive pas à cibler exactement où je l'ai vu. Et ça, c'est problématique. Attends. Moi, je l'ai vu là. Plus loin? Là? Ouais, je dirais que c'est vers là-bas. Vu qu'il est à plus de 500 mètres encore, normalement, il ne devrait pas m'entendre. Je crois que c'est à partir de 250 mètres qu'il commence à m'entendre. Ouais, je sais, c'est précis. Je me suis entraîné lors de la vidéo principale, chaîne principale, pardon. Attends, c'est lequel? Ça va être marqué Hollywood? Analyse animale. Non, mais dites-moi, c'est lequel Hollywood? Hollywood! My friend! Ok, enfin, ouais, oui, mon ami. Il est à combien de mètres? Mince, attendez, j'ai pas vu à combien de mètres il était. 149 mètres? Vous êtes sérieux? Attendez, je vais même avancer plus lentement. Je vais vérifier le nombre de mètres auquel il est. Il est à 150 mètres, ouais. Je revérifie, c'est bien lui derrière le buisson, ouais. 150 mètres, faut que j'ajuste mon arme pour faire 150 mètres. 200 mètres, voilà, 150. Je le garde en ligne de mire. Je vais essayer de me rapprocher encore un petit peu tout en ne perdant pas de vue. Mais est-ce qu'il peut pas se barrer? Attendez, on est d'accord qu'il est là. Je vais peut-être tirer quand même parce que là, il est en bonne position. Je l'ai touché. Une balle. Il part dans... Ah, il a son bois qui est abîmé, comme il disait. J'ai failli lui mettre un headshot. Mince, et là le problème c'est que je vois plus trop si. C'est lui qui court là?
Oh, est-ce que je retire? C'est horrible. Désolé, raté Hollywood. Oh, j'espère que je l'ai bien blessé. On voit où il est parti. Faut que je trouve la salle de sang, la trace de sang. Il est parti, normalement c'est juste là. On va croiser les doigts pour que ça soit un sang épais avec des bulles dedans. Le mec qui tombe sur ce passage de la vidéo, il va péter un câble. Et je pense que je suis fatigué aussi, je bois pas trop de Red Bull, mais de temps en temps, c'est mon petit péché mignon, j'aime bien, je fais pas de la pub. Hein. C'est mon petit péché mignon, mais j'en avais déjà parlé. La Red Bull, j'en bois une, je suis flagada direct, je suis fatigué. Normalement, c'est fait pour te booster un peu, et non. Moi, ça m'endort. Et regardez, je sais pas si c'est encore arrivé en France, c'est pas pour faire le mec relou, mais... ici, les canettes, les bouteilles, quand c'est comme... En France, quand vous achetez une bouteille de verre dans un bar, elles sont consignées, il faut les rapporter pour qu'ils vous redonnent une pièce, pour éviter que ça soit jeté par terre. Et bien là, en fait, vous achetez ça dans les supermarchés et vous les ramenez une fois que vous les avez finis. Moi, j'ai un sac là de bouteilles ou de canettes. Vous les ramenez et comme ça, vous récupérez un peu de sous. Là, c'est une couronne, ça fait 10 centimes à peu près. Mais ça évite que ça se retrouve par terre, mais c'est aussi bien pour les personnes qui ont pas forcément énormément d'argent. Et bah comme ça, il y a des gens qui donnent leur boisson vide, et comme ça, ils vont au supermarché, ça leur fait un ticket, et ça évite qu'il y en ait par terre. Comme ça, les gens, certains ramassent parce qu'ils se disent, tiens, de l'argent, ils ramassent. C'est plutôt intelligent, je dirais. Je sais pas ce que vous en pensez, c'était le moment intelligent. Mais oui, je trouve que ça peut être cool. Aussi, il y a même des conteneurs où les gens les mettent dedans pour les personnes un peu défavorisées aussi. Comme ça, les personnes peuvent aller récupérer les canettes vides, les bouteilles vides pour se faire un peu de sous pour s'acheter un sandwich, acheter un truc à bouffer quand même. Hein. J'ai perdu mon animal. On est d'accord qu'il devrait y avoir des empreintes ici? Ça me gonfle un peu dans le jeu, c'est que les traces sont très peu visibles, quoi. On est d'accord, je l'ai blessé, on est d'accord qu'il y en a plein qui ont couru juste là, mais il y a zéro trace nulle part, quoi. Regardez. Pourtant, là, j'ai mes sens d'allumer, et il n'y a rien d'indi... Là. Là, il y a un truc. Ah, c'est du sang. Dites-moi que c'est sang... Petite, ah oh, punaise, c'est une petite quantité de sang. Et là, regardez comment ça se passe. Faut que j'attende. Voilà, elle apparaît de temps en temps. Hop, elle apparaît. Et pour trouver l'autre, c'est pour ça la chaîne principale, la vidéo, je l'ai enregistrée pendant, sans mentir, j'ai enregistré 1h30, 2h pour la vidéo que vous avez vue. Mais encore là, on voit bien. Franchement, ça passe. Mais il y a des moments où c'est pas... En même temps, vous me direz, si c'était trop simple, ça serait pas marrant cette traque, peut-être, c'est vrai. Mais quand on fait des vidéos et qu'il nous reste que 10 minutes sur la carte mémoire, c'est un peu relou. Ouais, bon, bah, tout de suite, moi, je vais chasser, je vais traquer la tache de sang. Et voilà. J'ai plus rien indiqué. Parce que je coupe la caméra, comme ça je garde de la place à tout de suite. J'ai pas réactivé la caméra. Par moment, là, on voit vraiment le chemin, vous voyez, il va vers l'arbre derrière, là-bas. Ouais, je vais parler comme ça, un peu, sans que vous puissiez me voir. J'économise de la place sur la caméra. Oui, je sais, c'est de la triche. Je vous avais dit qu'il fallait mettre oui ou non en commentaire. Mais en même temps, je vais pas arrêter la vidéo sans avoir réussi, et puis quoi encore? Oh non, je les ai effrayés, attendez, je rallume la caméra. Ah mais je les ai effrayés, donc ça sert à rien que je rallume la caméra, mais je vais la rallumer quand même. Tu peux t'allumer ma caméra? Eh oh. Coucou, je vous ai rallumé. Le problème c'est de savoir lequel est celui que je suis en train de chasser. Calme, toujours calme. Ouais, le sens du vent, il va encore. Mais le vent, tu veux pas tourner un peu? Va par là-bas le vent là. Parce que mon bonhomme, je l'ai pas lavé et je risque de schlinguer. Non, normalement, c'est pas géré. Enfin, j'espère. Imaginez, il y a un nouveau jeu de survie, tu te laves pas, et bah, tu te fais détecter plus vite. Mais les animaux ont beaucoup plus de sens. Il l'expliquait dans le jeu que même certains animaux avaient des sortes, je veux dire avec mes termes, okay, des papilles dans la bouche. Et bah, papilles gustatives, mais avec certaines papilles dans la bouche, ils peuvent avoir les odeurs avec la bouche aussi. Et les humains ont une odeur bien particulière. Voilà, c'est ce qui est, je vous enseigne ce que j'ai appris en résumant et en essayant de faire ça de façon pédagogue. Non, pédagogue, c'est les mecs qui s'occupent des pieds, non? Non, c'est podologue. Pardon.
de façon ludique. Désolé pour tous les podologues qui regarderont cette vidéo. Est-ce qu'il y a des fétichistes des pieds, chez les podologues? Personnellement, un pied, je trouve ça tellement moche. J'ai perdu les taches de sang. Ouais, un pied, je trouve ça vraiment pas beau. Après, c'est que mon avis, hein. Mais croyez-moi que des pieds, j'aime pas les pieds. Ça a une tronche bizarre, ça a une tronche ouais, de pied, quoi. Putain, c'est quoi cette discussion? Faut qu'on arrête. J'en vois là-haut. Ouais, j'ai encore coupé la caméra, histoire de... Non, je me suis gouré d'armes. J'en vois là-haut. Allez, zoom! Oh, quelle lenteur! Ah, c'est lui! Ah, mais il est trop loin maintenant, j'arrive pas à le détecter, mais on le reconnaît avec son bois encore une fois tordu. Oh là là! Bon, pour une fois, le vent va dans la bonne direction. Faut que je sois à peu près à 250 mètres pour pouvoir avoir son nom indiqué. On va voir. Ouh, il y en a un qui gambade, j'espère qu'ils m'ont pas repéré. Attention, verdict. Logiquement. Il regarde dans cette direction. C'est lui? Pourquoi c'est pas indiqué? Ah, parce que j'ai pas mis mon sens. Ah ouais, désolé, j'ai pas mis mon sens. Ouais, c'est Hollywood. Ok, ok. On y va. Il a demandé à son pote de le protéger. Allez, maintenant ça va. Non, c'est toujours pas bon. Bon, je vais en profiter pour avancer petit à petit. Faut qu'on arrive à toucher un... Pourquoi mon jeu a frisé? Ça se trouve, j'ai plus de place sur mon disque dur pour le jeu. Je sais pas ce qui s'est passé. Hey, j'ai eu flippé. Allez, pousse-toi, s'il te plaît. Oh, maintenant, mon jeu, il bug. Je peux tirer là ou pas, vous pensez? Ouais, je vais tester. Voilà. Et maintenant, je cours. Allez, cours! Oh là là, qu'il est lent, mon bonhomme! Il est là, c'est lui qui est en train de courir, là, on est d'accord. Ah, il est blessé, là. Oh, comment je suis horrible! Oh, j'en peux plus! Je suis désolé, Hollywood, t'es mon ami depuis bien longtemps, depuis quand j'étais jeune, et moi, je respecte même pas notre amitié. On peut dire que je suis une sombre merde. Coco, caméra. J'ai fait de l'économie de place. Et normalement, on sera bon. Normalement, on y est. Normalement, c'est fait. Ah, je crois que j'ai vu un corps. Il est là. Bon, bah voilà, on a trouvé Hollywood. Je lui ai mis 2 balles. C'est indiqué où, 2 balles? Ah, tir 1, tir 2. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et je peux pas le vendre. Ah oui, il fallait que j'empaille. Voilà, je vais t'empailler, taxidermie. Tel père, tel fils. Ah oui, c'est pas par rapport à nous, parce que notre père ne chasse pas dans le jeu. Il y a un petit scénario avec des BD qui est plutôt cool. Notre père, lui, aime pas trop notre grand-père. Et tel père, tel fils, c'est parce que son père, au cerf, avait également des bois déformés. Voilà pourquoi j'ai eu un succès, tel père, tel fils. On a fait, moi, je suis arrivé là, on a fait tout ça, hop. Et à l'échelle du jeu, c'est plutôt pas mal. On va retourner à la maison et on... Mais téléporte-moi, là. On va aller à la maison et on s'arrêtera là. Et j'ai hâte de voir vos retours, savoir si vous voulez qu'on fasse d'autres chasses ensemble. Vu que c'est l'été, on est chill, on se fait des petits let's play tranquilles, pépères. Et moi, je vais retourner au gîte, je vais le faire tranquillement maintenant. Mais nous, on s'arrête là avec ce panorama qui est quand même... à couper le souffle, et je pense qu'ils ont mis un peu le paquet sur ce point de vue. Sur ce, il pleut là? Non, il... c'est un peu nuageux quand même. Sur ce, merci à tous, j'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui ont cru en moi, même si j'allais pas arrêter la vidéo sans avoir chassé l'animal. Et à bientôt. Bye! Ciao! Je cherchais une blague à faire, mais j'en ai pas, donc salut!